Merci beaucoup. Alors, j'utilise PowerPoint, mais je suis mal à droite. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. Quand on veut réfléchir au thème du plurilinguisme, il me semble intéressant et significatif d'examiner le cas du Québec. Donc, j'essaie d'examiner ici, à la lumière des enjeux du plurilinguisme, la francisation hybride, une des conséquences assez inopinées de la charte de la langue française du Québec, par suite de la triangulation linguistique, aspect spécifique à Montréal, constituant une des bases de la fondation de Vice-Versa, c'est la revue symbolique flétant une société québécoise métissée. Alors, la situation linguistique du Québec est unique et complexe. Comme on le sait bien, bien qu'il soit majoritaire, les Québécois francophones ont subi pendant longtemps la domination des anglophones minoritaires. Avant les années 70, Montréal, la métropole du Québec, était une ville bilingue, utilisant le français et l'anglais. D'ailleurs, c'était une ville divisée en deux camps étanches, francophones et anglophones. Comme Hugh MacLennan, écrivain canadien, l'a bien qualifié dans deux solitudes. Après la Révolution tranquille des années 60, c'est une véritable réforme administrative a conduit le Québec vers une société moderne et à l'épanouissement de la culture francophone. C'est la charte de la langue française, dite la loi 101, mise en vigueur en 1977, qui a marqué un tournant crucial dans la francisation du Québec, voire la conquête francophone. La charte de la langue française est d'une importante cruciale du point de vue de la politique linguistique du Québec. Surtout du fait qu'il y a eu une multitude de débats et de controverses à son sujet. Mais ici, je dois dire que, faute de temps pour en suivre tous les détails, je ne mentionnerai que certains points fondamentaux. La charte ayant pour objectif le français comme seule langue officielle du Québec comporte certaines clauses obligatoires. D'abord, la charte a imposé le français en tant que langue officielle commerciale. Et c'est un peu de l'usage exclusif du français dans l'affichage public et la publicité commerciale, tout ça. Et puis, langue allemande. Excusez-moi. Et l'âge du travail dans le secteur public, donc, est un des problèmes de francisation à toutes les entreprises employant 50 personnes ou plus. Et en plus, l'âge de l'enseignement restreint l'accès à l'école anglaise aux seuls enfants dont l'un des parents a touché son enseignement primaire en anglais au Québec. Et finalement, l'âme de la législation et la justice, sur la vertu française des lois et officielles. Alors, l'application de la charte a soulevé de vives controverses, ou même résistances du côté des anglophones. Évidemment, le droit est privilégié. Il est indimité.
Néanmoins, il faut mentionner que la loi 101 a protégé les droits des anglophones plus qu'on le croit. Les enfants dont un des parents a fréquenté l'école primaire anglaise ont pu avoir accès à l'école anglaise. Toutefois, au début, la loi était souvent critiquée comme raciste et assimilatoire. Cependant, le bilan de l'examen des conséquences de la loi 30 ans après sa mise en œuvre démontre des effets assez inattendus. Il révèle une transformation significative du côté de la communauté francophone, engendrée par présence de la charte dans la société québécoise. Il s'agit surtout de l'incidence de la loi sur l'enseignement. La clause sur la langue de l'enseignement entraînant la fréquentation obligatoire de l'école française pour les enfants d'immigrants a visé à intégrer les immigrants dans la société francophone et ainsi à protéger la situation démographique de la communauté francophone de Montréal. Et donc, ces deux tableaux suivants, ça c'est les documents du ministère de la Culture et des Communications du Québec en 1987, montreront bien à quel point la loi a réussi à endiguer l'accès à l'école anglaise et à réduire le pourcentage des élèves qui s'y inscrivaient. Donc, c'est en 1977, c'est la première année de la charte. C'est 58,8% des allophones, disons, les gens qui n'appartiennent ni à la francophone ni à l'anglophone, s'inscrivent à l'école française, mais ça a augmenté jusqu'au 74,3%. Et par contre, à l'école anglaise, ça s'est diminué jusqu'à 27%. Quant à la répartition des élèves allophones selon la langue d'enseignement, Île de Montréal, En 1976-1977, c'est la première année de la charte française, c'est seulement 23% des élèves sont inscrits à l'école française. Mais en 1994 jusqu'en 1995, le taux s'est élevé jusqu'à 78,5%. Enfin, l'effet de la loi 101 dans le secteur scolaire français de Montréal a été tout aussi considérable. Le magazine Actualité, c'est le magazine qui circule à Montréal, au Québec, en français, a organisé en septembre 2007 un numéro spécial consacré au sondage sur les réalités des enfants de la loi 101, 30 ans après son application. L'enquête de l'actualité met au clair une nouvelle génération en promotion, ayant des sensibilités de tolérance et d'ouverture, et soutenant la langue française comme symbole d'unification sous l'hybridité. L'opinion suivante dans la presse d'une jeune québécoise
appartenant à la génération des enfants de la loi 101, témoigne éloquemment cette situation-là. Je cite, « La charte de la langue française a eu pour nous un sens beaucoup plus que simplement juridique. Elle a déterminé la façon de penser et d'agir de notre génération. J'ai été élevée dans un système scolaire où les réalités de Laval, c'est la banlieue de Montréal, de Beyrouth et de Port-au-Prince en Haïti. Se rencontrent. Depuis mon enfance, j'ai été élevée avec sous les durs et une société québécoise où coexistaient des peuples divers au quotidien. Dans mon carnet d'adresse, les noms de mes amis viennent de quatre coins du monde. Et ils font partie, sans aucun doute, tout comme moi, du Québec. Par ailleurs, Marco Micone, écrivain d'origine italienne, nous dit, je cite, « En lieu cosmopolite, une identité ne sera réussie que si elle se nourrit de plusieurs allégeances et appartenances linguistiques. Tout comme le français québécois ne survivra que s'il réussit à exprimer plusieurs identités. » Fin de citation. Ainsi, ce qui est remarquable, ça c'est, j'ai trouvé une photo, c'est dans un article, devenir québécois ou québécois est un être tout en complexité, ça aussi c'est révélateur. Alors, ainsi, ce qui est remarquable, c'est plutôt l'hybridité et l'ouverture que la charte a inspiré dans une communauté francophone, jusqu'alors relativement homogène et isolée. Et, par ailleurs, suite à de nombreuses controverses et plaintes en justice, la loi 101 a subi certaines modifications importantes qui permettent des assouplissements de ces clauses. Par exemple, la clause sur la langue de l'affichage commercial a été modifiée. On est passé de l'usage exclusif du français à la nette prédominance du français dans l'affichage public et publicité commerciale. Alors, par exemple, c'est un quartier de Saint-Laurent, c'est beaucoup d'immigrants habitent, c'est un quartier très... pluriel, métissé, c'est un peu symbole de Montréal, c'est un quartier chinois, mais trois langues, ça s'affiche comme ça. Alors, comme ça aussi. Par conséquent, comme on le voit bien sûr, ces diapos, les affichages plurilingues, comprenant le français, mais aussi d'autres langues plus lisses, maintenant à Montréal. Dès lors, on peut dire que le plurilinguisme à Montréal a graduellement progressé ces 30 dernières années derrière la francisation. Ce qui me semble surtout intéressant et important au sujet du processus d'intégration des allophones, c'est qu'une nouvelle culture franco-québécoise a émergé et qu'un compromis important ou une entente s'est formée entre les francophones de vieille souche et les nouvelles minorités ethniques francisées. C'est ainsi que ce courant a abouti dans les années 80 à la fondation de la revue Big Bessa en 1983 par des
des intellectuels allophones d'origine notamment italienne, Pulvio Caccia et Lambert Tassonari, pour ne citer que, et avec l'approbation de nombreux écrivains intellectuels québécois francophones. La Rougeur utilise trois langues. C'est un peu ambigu, mais c'est l'anglais, le français, l'italien, comme ça. Il utilise trois langues. Le français, l'anglais, l'italien et d'autres encore. Et a pour objet de faire circuler et assurer un contexte transculturel pénétrant à Montréal, tant idéologiquement que politiquement. Je ne peux examiner ici la notion du transculturel, malgré son importance, étant donné que mon exposé porte plutôt sur l'analyse de la triangulation linguistique, situation spécifique à Montréal, constituant une des bases de la fondation de la revue. Vice-versa a joué un rôle très important dans la société québécoise des années 80. En reflétant l'état de plus en plus métissé de celle-ci, appelé le rejet de l'indépendance lors du référendum de 1980. Il faut insister sur le fait que la revue est devenue un véritable lieu de dialogue entre intellectuels allophones et québécois de vieille souche, conscients du caractère pluraliste de la société. Un des facteurs importants qui ont préparé l'apparition de la revue vice-versa, c'est la triangulation linguistique mise de l'avant par les fondateurs de la revue pour décrire la situation spécifique à Montréal. Cette situation a reposé sur tout d'abord l'existence historique des pôles bipolaires, le français et l'anglais, et en plus sur l'insertion d'un troisième pôle linguistique allophone. En effet, on dit souvent qu'au Québec, notamment à Montréal, l'allophone conserve sa langue maternelle au foyer avec un taux considérablement élevé par rapport à d'autres provinces. Je ne cite ici qu'une partie du tableau de Statistique Canada, c'est recensement de 2006, population selon la langue parlée à la maison, par province et territoire. Ce sont les cibles bleues et les dénominateurs sont variés, donc c'est difficile à deviner. Mais si on calcule le taux dans chaque province de l'utilisation de trois langues, anglais, français et langue non officielle, c'est vrai que celui du Québec a 9 fois plus que celui de l'Ontario et 3 fois plus que celui du Canada. Donc c'est vraiment au Québec, on garde à la maison les langues de la langue, les langues. Alors, à cela s'ajoute une alliance spéciale entre les Québécois de vieille souche et les allophones qui a favorisé la fondation de la revue. Les Québécois de vieille souche, majoritaires, toutefois relativement menacés, sont souvent marqués. Par des caractères minoritaires, tandis que les allophones, les immigrants minoritaires, ne perdant pas leur originalité, sont en plein essor au Québec. Et entre eux s'établit une entente, voire une solidarité. Pour la conclusion, il faut dire que le Québec, société diversifiée,
est toujours soumis à un risque de rupture. Les différences agrandies entre la jeune génération, celle des enfants de la loi, sont un, et la vieille génération, celle des souverainistes, et également entre la métropole et la banlieue ou d'autres régions. La réalité plurielle progresse principalement à Montréal. Comme le fameux débat des accommodements raisonnables l'indique, il y a énormément de choses à accommoder ou à ajuster dans cette société plurielle. Toutefois, ces circonstances plurielles au Québec n'oublient pas son expérience originaire, soutenue la langue française comme symbole d'unification sous l'hybridité, nous semble-t-il, nous donnerons beaucoup de suggestions comme modèle pour se relayer une nouvelle voie de coexistence cosmopolite et harmonieuse. Je vous remercie.